Une nouvelle mission privée américaine a accompli avec succès la semaine passée son lancement et progresse maintenant vers son objectif d'atteindre la Lune. J'en parle ce soir avec Raymond Fournier, qui est ambassadeur canadien de l'espace et collaborateur de l'agence Science Presse. Bonsoir, M. Fournier. Bonsoir. Sommes-nous en train, M. Fournier, d'assister à une nouvelle course mondiale pour la conquête de la Lune? Absolument. C'est la deuxième course à la Lune. Il y a quelques années encore, on y croyait plus ou moins, mais maintenant, c'est une course même entre plusieurs pays et même l'industrie privée et le spatial public comme la NASA et l'industrie privée comme les fusées d'Elon Musk, Falcon SpaceX, 9, exactement. Qui maintenant oui, allez-y, sont réutilisables. Je vous écoute, M. Fournier. Alors, c'est vraiment une course mondiale. Oui. Et l'objectif final, c'est d'établir une base permanente sur la Lune d'ici quelques années, avec même une nouvelle station spatiale circumlunaire. M. Fournier, tout ça est très fascinant, d'autant plus que les Américains ne sont pas retournés sur la surface lunaire depuis la fin du programme Apollo. Il y a plus de 50 ans. Parlons de cette mission précisément parce que l'atterrisseur Odysseus va atterrir, plutôt allunir, plus tard cette semaine, possiblement jeudi, sur le pôle sud lunaire. Quel est le défi que ça représente de se poser justement sur le pôle sud de la Lune? Ben, écoutez, déjà la configuration des sondes spatiales sont différentes parce qu'au pôle sud de la Lune, la lumière du Soleil est rasante, donc on reçoit moins d'énergie solaire. Il faut que les panneaux solaires soient bien dirigés. On sait ce qui est arrivé avec un atterrisseur japonais qui a atterri sur le nez. C'est pas facile de faire atterrir une sonde spatiale au pôle sud de la Lune ou dans les environs du pôle sud. Au-delà de la simple exploration spatiale dont vous avez fait mention, quel est l'intérêt de ce retour sur la Lune? Est-ce qu'on parle de développer de nouvelles technologies? Est-ce qu'il y a des ressources sur la Lune, par exemple? Oui, il y a des ressources sur la Lune, mais c'est surtout un point de départ vers les futures missions vers Mars. On va tout tester d'équipement à la surface de la Lune et quand ça sera rendu à l'étape de prévoir les premières missions vers Mars, probablement qu'ils partiront de la Lune, ces missions. Parce que l'attraction lunaire, c'est un sixième de l'attraction terrestre. Donc, beaucoup plus facile d'envoyer un vaisseau vers Mars de la Lune que de la Terre. Et la NASA qui souhaite évidemment que tout se passe comme prévu, parce qu'à l'horizon se profilent les missions d'astronautes du programme Artemis qui sont prévues au plus tôt pour 2026. Est-ce qu'on réussira un jour à revoir un homme mettre les pieds sur la Lune, selon vous, M. Fournier? Oui. Il y aura, comme en 1968, un tour de Lune en 2025 avec un astronaute canadien, Jerry Mason, ainsi que trois astronautes américains. Mais pour l'atterrissage sur la Lune, on parle de 2026, un équipage de quatre astronautes, dont deux vont rester en orbite autour de la Lune, possiblement dans le Gateway, elle est déjà en service, ou sinon dans la capsule Orion, et deux autres qui descendraient à la surface de la Lune par un atterrisseur, je dis bien, privé. Monsieur Raymond Fournier, c'est très intéressant. Je dois vous arrêter, malheureusement. C'est tout le temps qu'on avait. Un grand plaisir d'avoir pu vous recevoir ce soir. Vous êtes fascinant et j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler au cours des prochaines semaines. Et évidemment, on surveille cette date. C'est ce jeudi qu'elle devrait donc se poser sur la Lune. Ça sera très intéressant de se reparler. Merci beaucoup. Merci beaucoup et à jeudi. À jeudi.